Wellesley, été 1950. Ce matin, je me suis fait arracher mes deux dernières dents de sagesse. À 9 h du matin, j'entrais dans le cabinet dentaire. Rapidement, avec le sentiment oppressant d'une catastrophe imminente, je me suis assise dans le fauteuil après avoir parcouru furtivement la pièce du regard pour repérer tout instrument de torture manifeste. Roulette ou masque d'anesthésie. Rien de tel. Le dentiste a fixé le bavoir autour de mon cou. Je m'attendais presque à le voir m'enfoncer une pomme dans la bouche et me disposer des brins de persil sur la tête. Mais non. Il s'est contenté de me demander « Gaz ou Novocaïne ?» Gaz ou Novocaïne ? Approchez, approchez, madame, nous avons tout ça en rayon. La mort par incendie ou noyade, par balle ou par nœud coulant, tout pour satisfaire le client. Gaz, ai-je dit avec assurance. Apparu subrepticement derrière moi, l'assistante m'a placé sur le nez une forme en caoutchouc ovale dont les tubes me rentraient agréablement dans la joue. Respirez tranquillement. Le gaz a commencé à passer. Sensation étrange et sucrée. Écœurante. J'essayais de ne pas résister. Le dentiste a placé quelque chose dans ma bouche et je me suis mise à ingurgiter du gaz à grande lampée. J'avais jusque-là fixé la lampe. Elle a été prise de frémissements, puis de tremblements, et s'est brisée en tout petits morceaux. Toute cette constellation de petits fragments iridescents s'est mise à former un arc qui se balançait en rythme, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Je respirais sans effort à présent. Il y avait quelque chose qui allait chercher l'air dans mes poumons et émettait un son étrange et rauque lorsque j'expirais. J'ai senti ma bouche sourire en se craquelant. Donc, ça se passait comme ça. C'était tellement facile, et personne n'avait pu me le dire. Avant de plonger, il fallait que je raconte cette expérience, que je l'écrive. Je me suis mise à imaginer que le bout de l'arc lumineux était ma main droite. Je pliais le bras. Mais juste au moment où ma main se mettait en position, le balancier repartait de l'autre côté, de plus en plus fort. Très malin, me suis-je dit. Il ne vous laisse même pas décrire cette sensation par écrit, afin de la garder secrète. Alors je me suis retrouvée sur un bateau de pirates. Et le visage du capitaine, derrière le gouvernail qu'il tournait, était penché au-dessus du mien. Il y avait des tourbillons de feuilles, noires, vertes, et il disait d'une voix forte « Tout va bien, c'est fini, descendez doucement. » Le soleil est alors rentré brutalement dans la pièce à travers les stores. J'aspirais bruyamment l'air dans mes poumons. Je voyais mes pieds, mes bras. C'était moi, là. Je m'efforçais de réintégrer mon corps, mais mes pieds étaient si loin. J'ai voulu toucher ma tête, mes mains tremblaient. C'était fini, jusqu'à samedi prochain.